Bonjour Fabrice. Bonjour Audrey. Je te reçois pour la sortie du livre « Trop tout tout le temps et si j'étais au potentiel » pour lequel tu as accepté de faire cette préface atypique en vidéo. C'est bien la première fois. La présentation de ton profil professionnel est présente dans le livre. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos lecteurs qui tu es aujourd'hui dans l'univers professionnel des hauts potentiels ? Ben, aujourd'hui, mon travail, en fait, moi j'ai besoin de précision, de clarification, donc c'est plutôt de la recherche, c'est plutôt de la pédagogie, de la formation, du partage de pratiques, de la formation professionnelle et du déploiement de groupes comme j'en ai en France ou à l'étranger, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, mais à Montréal. Pourquoi le haut potentiel ? Pourquoi ce sujet dans ton univers professionnel ? Parce qu'il est arrivé il y a une vingtaine d'années, que je faisais déjà 1 million de choses, donc j'en ai rajouté 1 million de plus. Comme ça m'a donné de la légitimité. Et moi, j'ai besoin de comprendre. J'aime l'intelligence, j'aime la complexité, j'aime les gens intelligents. Donc après, je fais ce qui me plaît. Merci. Tu as découvert notre livre en avant-première. Oui. Peux-tu nous dire en quoi cet ouvrage, de ta perception, peut aider les lecteurs qui se questionnent sur le haut potentiel ? Ce qui m'a plu dans ce livre, mais j'en ai déjà parlé, c'est qu'il est super dynamique, il est décomplexé. Donc on a des petits canards, ça nous change des zèbres. Et je trouve qu'il est cash, il est direct, il est pédagogique, c'est de l'immersion. Donc ça va chercher les personnes, c'est pas que du mental dans les bouquins traditionnels, et ça va chercher des personnes dans leur singularité. On n'est pas obligé de correspondre à tout, mais je trouve que c'est une écriture et une énergie, à la fois par la partie cerveau gauche, c'est-à-dire l'écriture, par le dessin, plutôt cerveau droit, sachant que tout ça est une métaphore, et faux, hein, évidemment. Dans le concept du cerveau et cerveau droit. Et je trouve ça, c'est joyeux, c'est léger, c'est créatif, c'est débridé, c'est tout comme j'aime. Merci beaucoup. Tu es très sollicité. Oui. Parce qu'on parle de plus en plus du haut potentiel et personnellement, j'ai envie de dire alléluia. Alléluia. Donc tu fais beaucoup de podcasts, d'interviews, de préfaces en ce moment. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de faire la préface du livre « Trop tout tout le temps » ? Parce que je connais ton énergie, donc déjà moi je travaille avec les gens qui me plaisent, et qu'il est assez original. Il y a d'autres livres, d'autres contributeurs originaux, et je trouve que, comme tu disais sur le Alléluia, moi je bosse le sujet depuis 15 ans, maintenant c'est à la mode depuis 3. Bon, avec des émissions toutes pourries comme ce truc de HPI de TF1, mais... Au moins, le bon côté des choses que j'explique aux journalistes, c'est qu'il y a 3 ans, ils n'auraient jamais fait ça. Au moins, ça existe. Évidemment, le prétexte, c'est n'importe quoi. Puis certainement pas 160. Mais au moins, ça existe. Ça veut dire que le système, l'approche de la danse commence à être digeste. Donc ça, c'est très bien. Alors, avec tous les effets de bord, de gens qui abusent, évidemment, des détournements, mais à la limite, tant pis, au moins, ça permet de... détecter les jeunes et beaucoup plus les filles, parce que les filles sont moins détectées, donc beaucoup plus les femmes. Et c'est bien d'avoir des approches pédagogiques, originales, créatives, ludiques, décomplexées, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses très bisounours, très moi qui me fatigue, mais c'est ma subjectivité, hein, je ne dis pas que j'ai raison. Donc j'aime bien quand il y a des contributions originales. Si tu devais décrire cet ouvrage, et là je te challenge un petit peu, en 3 mots, tu dirais ? Je dirais atypique, mais on est un peu ton sur ton. Débridé, joyeux, cash, sans concession et en même temps très bienveillant, très gentil mais pas naïf. Donc très, à la fois respectueux, mais qui va chercher les gens au-delà des apparences. C'est toute la ligne éditoriale autour des canards. Je trouve que c'est une médiation intéressante
Donc à la fois la partie écrite et la partie graphique, c'est une espèce de stéréo qui me plaît beaucoup. Et concernant le livre Trop tôt tout le temps, ouais. Est-ce que du coup, pour être heureux, la phrase était bien trouvée, se reconnaître pour assumer son haut potentiel et bien vivre avec? Mais oui, mais c'est incontournable, c'est que si tu le reconnais pas, tu peux pas bien vivre avec. T'avances, t'attaques les murs avec bandeau sur les yeux. Mais non, ça c'est pas possible. Et c'est mieux de le faire joyeusement, c'est mieux de le faire comme c'est fait dans le livre, débridé, mais moi c'est plutôt l'énergie qui me plaît. On peut faire des choses sérieuses, on peut faire des choses profondes, de manière à la fois légère, dynamique, confrontante. Mais il faut absolument qu'on se connaisse bien. Sinon, on est des prototypes. On est né, il n'y a pas le mode d'emploi. T'imagines, tu reçois une machine, t'as que dalle, t'as aucune notice technique avec. Ça, c'est un surdoué. Il est livré sans la notice technique. C'est chiant. C'est un petit peu ce qu'on voulait mettre en avant avec Élodie au travers de ce livre, ouais. Qui au départ était un livret. C'était un livret d'informations qui était attendu, c'était sans compter sur tout ce qu'on avait à dire finalement avec notre syndrome de l'imposteur. C'était sans compter sur la créativité. C'est plein de créativité. Sur laquelle on a lâché complètement en cours de création du livre. L'objectif c'était vraiment d'aider les personnes qui se questionnent à faire leur premier pas vers le haut potentiel. Est-ce que toi qui as découvert le livre en avant-première, de ta perception, ce livre, il a fait le job ? Il a fait le job parce qu'en fait, il a un côté assez ludique. Il laisse de la liberté aux gens de se promener sur les différentes thématiques. Il y a à la fois la partie graphique des dessins qui vient interroger les gens. Et c'est ce que j'avais une fois avec quelqu'un où je disais, mais en fait, la danse, ou le travail qu'on peut faire à la danse, c'est un peu une randonnée. Tu vas dans la vallée, tu vas dans la montagne, tu vas te baigner, l'eau est un peu fraîche, tu te promènes au soleil. Et là, il y a tout ce parcours, je trouve, de randonnée avec le canard mutant qui est mignon comme tout. Moi, j'ai beaucoup ri. En fait, j'ai beaucoup ri. Et c'est bien. C'est bien parce qu'on peut approcher des choses sérieuses, profondes, douloureuses, beaucoup de gens pleurent hein, sur les livres, et garder ça aussi. Et je trouve que c'est bien de l'approcher comme ça, parce que la danse, c'est une libération. C'est, comment j'appelle ça ? Enfin, c'est peu connu, j'en parle dans les formations, c'est un sentiment d'épiphanie, c'est une révélation. Et il faut passer par là. C'est une renaissance. C'est ce que je dis souvent, la notion de mourir de l'ancien soi pour devenir qui on est vraiment profondément, au-delà des masques, des faux semblants et des codes de la société en fait. Merci Fabrice pour cette interview, le temps que tu nous auras accordé. Bien sûr. À bientôt.